auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous allons prier avant de commencer. Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardé, tu nous as protégé. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Tu as envoyé Jésus ton fils mourir à notre place. Grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Saint, nous te demandons, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, d'éclairer notre esprit. Nous te demandons, Seigneur, d'illuminer notre intelligence. Partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, n'est-ce pas, vous qui m'avez aidé à partager l'évangile, à partager la parole de Dieu. Je vous remercie parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous m'avez aidé encore une fois de plus à partager l'évangile, la parole de Dieu. Continuez à partager, continuez à faire des commentaires, continuez à aimer nos études. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir, n'est-ce pas, des études chaque semaine. Donc, le lundi et le mercredi, nous avons des études sur les doctrines bibliques. Nous avons des études sur les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous avons des études sur les livres des proverbes. Généralement, le samedi et le dimanche, à partir de 18h, venez adorer et louer avec nous. Donc, ça, ce sont nos horaires. Lundi, mercredi, des études sur les doctrines bibliques. Vendredi, dimanche, des études sur le livre des proverbes. Samedi et dimanche, à partir de 18h international, adoration et louange. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un autre sujet qui est une longue vie. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, une longue vie. En créole, nous avons dit une longue vie. Maintenant, étude 23. Ok? Une longue vie. Étude 23. Nous avons vu que le commandement d'honorer ses parents est accompagné d'une promesse, selon Exode 12 et Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. D'après ça, nous sommes là, commandement pour honorer parents, non, les accompagner d'une promesse, selon Exode 20, verset 12. Il dit pour honorer. Pour nous honorer, pour nous respecter papa, non, pour nous respecter maman, non. Et ça, il a raison, il dit, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Pour respecter maman avec papa, pour que ça, pour jouer capable de prolonger sur la terre. C'est ça, il a accompagné de une promesse. Question, qu'est-ce qui contribue aussi à donner, une longue vie? Vous y êtes? Qui ça qui contribue tout, n'est-ce pas, pour bâtir une longue vie? Parce que tout le monde t'a remis une longue vie sous la terre. C'est ça? Pour ne pas remis une longue vie sous la terre. Tout le monde t'a remis une longue vie sous la terre. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui contribue aussi à donner une longue vie? Donc, alors, qui ça qui contribue pas ça, pour bâtir une longue vie? Regardons ensemble Proverbe 4, verset 10. Proverbe 4, verset 10. Nous lisons ainsi. Il dit, écoute mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Ok?
Il dit coûtez petit moi et reçois recevoir parole moi yo. Recevoir parole moi yo. Et les années de ta vie se multiplieront. Qu'est-ce qui contribue aussi à donner une longue vie, c'est que ça lit. Vous besoin écouter parole bon Dieu. Vous besoin recevoir parole bon Dieu. Écouter et recevoir parole bon Dieu, lui contribuer à donner une longue vie. Lisons ensemble Proverbe 9 verset 10 11. Proverbe 9 verset 10 11. Proverbe 9 verset 10 11. Proverbe 9, verset 10, 11. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Verset 11. C'est pas moi qui t'ai joué et que les années de ta vie augmenteront. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce qui contribue aussi à donner une longue vie? C'est que ça dit. La crainte de l'Éternel, c'est une bagay qui permet yon moun yon longue vie sous la terre. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On dit, c'est une bagay qui permet ou capable vivre yon longue vie sous la terre. C'est important, c'est intéressant. Si vous avez une longue vie sous la terre, qui s'est passé? Vous avez besoin de la crainte de l'Éternel. Il explique, il dit, et dans verset 11, il dit, c'est pas moi qui te joue, c'est multiplié. C'est pas moi, qu'est-ce qu'il a parlé là? C'est la crainte de l'Éternel, mais c'est la sagesse. Il dit, c'est pas moi qui te joue, c'est multiplié et que les années de ta vie augmenteront. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous avez besoin d'une longue vie sur la terre. Commencez avec la crainte de l'Éternel. Commencez avec la crainte pour mon Dieu. Proverbe 10, verset 27. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Ça a piqué encore. Il dit la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. On va regarder verset 5 encore. Il dit la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ici, nous t'expliquons ça déjà dans l'étude qui est avant. Ce n'est pas peur, non, peur, bon Dieu, dans un sens. La crainte de l'Éternel, c'est là qu'il y a confiance dans bon Dieu. Il dit dans le texte là, la crainte de l'Éternel, qui ça fait, il augmente les jours. Le créatif pour bon Dieu, ou le crainte pour bon Dieu, il augmente les jours. Il dit, mais les années des méchants sont abrégées. Les années des méchants sont abrégées. Ça veut dire, année méchant, yo, année moun kap fait mal, yo, méchant, yo, yo abrégé, ça veut dire, yo réduit, yo diminué. Même si moun ap fait mal, lap touye moun, fait zak, fait mal, fait tout kaite mal, pas occupé. La ville pas longue, sous la terre. Même si ou méchant ap fait tout salvelé, crasé, brisé, touye moun, fè moun pè, mette moun nan pirez, ou pa bezwen pè. La Bible dit ça. Il dit wap chèchèl, ou pa pwèl. Moun ka fè krim Ayiti yo, les bandits, les kidnappers, kap touye moun sans raison, kap kidnappe moun, fè moun passe misè. La vie ou pa long sou la terre. Fè moun passe misè. La vie ou pa long sou la terre. Et ou konn sa tout. Ou konnen la vie ou pa long sou la terre. Parce que vous avez fait mal, vous avez fait crime, là vous parlons sous la terre. Texte là clair, il dit la crainte de l'Éternel augmente les jours. Moun ki gen crainte pour bon Dieu jou yo augmente. Il dit mais les années des méchants sont abrégées. Moun ka fait mal yo, année yo, yo réduit. Parce que vous faites trop crime, vous faites trop mal, vous pas prêter en pile ta vie sous la terre pour continuer de monde. Pour continuer, selon Proverbe 20, verset 29, la force et la parole des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards.
les années d'une longue vie sont un honneur. Qu'est-ce que cela demande habituellement? Voilà, il va l'aider, cheveux blanches. Il dit c'est ornement vieillard lié. Moi ouais, je dis, il y a des monde les cheveux blancs, yo inquiété. Pas besoin d'inquiéter pour ça. Les années d'une longue vie, n'est-ce pas? Il dit c'est un honneur. C'est un honneur, c'est pas tout le monde qui a une chance. Hein, pour vivre en pile temps sur la terre. Il y a des mondes qui vivent 80, il y a des mondes qui vivent 70, il y a des mondes qui vivent 90, il y a des mondes qui vivent 85. Comme ça, tout le monde tout n'est venu, l'aller, il va arrêter sur la terre. Donc, les années d'une longue vie, c'est un honneur lié. C'est pas tout le monde qui gagne chance ça. Si ou même cap côté étude ça, bon Dieu fort grâce. Ou bien temps, bon bon petit là sous tête tout, ou bien temps à 30, 25, 40, 50. Dis bon Dieu merci parce que c'est pas tout le monde qui a chance de vivre tout le temps ça sur la terre. C'est facile. Regardons ensemble Proverbe 16, verset 31. Nous lisons ainsi. Il dit c'est lui qui est lent à la couronne. Non, il dit Proverbe 16, verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Je trouve ça là. Cheveux blancs, c'est une couronne d'honneur. On n'a pas besoin de le faire courir cheveux blanches. Hein? Et puis, on commence à passer noirci. Parce qu'on parle de la vigne blanche. Les lave vigne blanche, on n'a pas besoin de paix pour ça parce que la Bible dit. La Bible dit clairement les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est pour content parce que les cheveux commencent à blanche. Cheveux commencent à blanche. Ok? Mais, c'est pas misère non qui vous fait la blanche. C'est vos cheveux commencent à blanche. C'est une couronne d'honneur. C'est pour content. Dis-moi Dieu merci. Parce qu'on garde dans la tête où on a quelques pieds cheveux blanches. C'est une couronne d'honneur. C'est ça, c'est une couronne d'honneur. Il dit dans le même verset 17, dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Quand on joint, il dit c'est dans le chemin de la justice qu'on joint. Où joint qui ça? C'est dans le chemin de justice où joint une couronne d'honneur ça. C'est moun qui gagne la vie exemplaire sur la terre. Moun qui fait bien, qui pas fait moun mal, qui pas raï sa moun possédé. Les moun nan gade le moun nan go bagali pou ko gagne, qui enflé la vie touye moun nan. C'est pas moun ça. C'est moun, les gade le frère l'a grandi, li content. Les gade le frère l'a développé, li content. Ça pas manger kèl. Ça pas dévorer kèl parce que le frère a gon kay li pou ko gagne, qu'il a manger. Frère a gon machine pour gagner qu'il a mangé. C'est pas monde ça. C'est monde qui content parce qu'il voit frère béni, bon Dieu béni frère, bon Dieu béni sœur. OK? C'est monde ça. Proverbe 12 verset 28. Il dit la vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Côté la vie, il dit la vie est dans le sentier de la justice. Les monde a fait bien, c'est là la vérité. Les mon a fait mal ou met tant c'est là mon cap marcher sous. Donc une longue vie comporte habituellement la bénédiction de voir sa maison s'agrandir. Selon Proverbe 17 verset 6, les petits-fils sont la couronne des vieillards. Petits-fils. Un monde qui gagne chance pour être petit tout. Ça c'est un petit bail petit, ils sont la couronne des vieillards et les pères sont la parure de leurs fils. Qu'est-ce qui fait en sorte que la maison du juste dure longtemps? Question. Qu'est-ce qui fait en sorte que la maison du juste dure longtemps? Qui ça fait caille juste là, dure longtemps? Regardons ensemble Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Nous lisons ainsi dit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, par qui moyen yon kay capable d'élever, il dit, c'est par la sagesse. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est l'intelligence qui kembelle. Qu'est-ce qui fait en sorte que la maison du juste dure longtemps? C'est que ça dit. C'est la sagesse et l'intelligence. Ça fait kay yon moun du juste, rete dure longtemps, il dit, c'est sagesse et intelligence.
Proverbe 14, verset 1. Proverbe 14, verset 1, il dit, la femme ça bâtit sa maison. Fait sagesse là, il bâtit quand elle est. Il dit, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Femme qui folle la femme qui insensée li l'écraser maison l'écraser calé avec propre main. Attendez bien. Qu'est-ce qui fait en sorte que la maison du juste dure longtemps? Surtout là, ça c'est la sagesse. C'est sagesse et intelligence qui fait caille monde qui juste là, il était là, il était longtemps là. Sagesse, intelligence. Ou besoin chercher courir des charges sagesse avec intelligence plus que l'argent et l'or. Parce que sagesse avec intelligence, il y a plus de valeur que l'argent et l'or. D'après ça, proverbe, il enseigne non. Côté nous autres, lire dans proverbe 14, verset 1, il dit qu'on femme sage qui ça le fait, il bâtit quand elle. Et femme sorte là qui ça le fait lui-même. Alors, excusez-moi pour l'expression, hein? C'est ça, parce que essentiel, c'est femme sorte là. Femme sorte là qui ça le fait, il renverse. Femme sorte là qui ça le fait, il renverse. Il renverse maison. Renverser la veut dire écraser calé avec propre main. Femme qui gagne sagesse là la construit. Il construit calé. Mais femme sort là qui ça le fait, écraser. Ou pas qu'on nous conseille des monde. Ou abranger. Pendant ou abranger, il a écrasé. Ou moi ça. Ou abranger. Yo même il a écrasé. Monde qui abranger à c'est monde qui gagne sagesse. Monde qui écraser à c'est insensé. Insensé, c'est ça la Bible, les femmes sortent là. La Bible dit l'écraser propre caille, l'écraser caille avec propre main. Pas grand-rien la fait qui bon, c'est seulement craser. Selon le Nouveau Testament, quel est le fondement du juste? Fondement juste là. Selon le Nouveau Testament, quel est le fondement du juste? Selon le Nouveau Testament, quel est le fondement? Matthieu 7, verset 24-27. Matthieu 7, verset 24, selon le Nouveau Testament, quel est le fondement du juste? On a regardé le fondement juste là. Verset 24-27. Il dit, alors, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Premièrement, il y a un monde qui est prudent, qui ça le fait? Il bâti maison sur le roc. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus. Ouais, la pluie est tombée, torrent venu, ça passé. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ouais, j'ai ce que ça peut expliquer là. Il dit que la pluie vini, gros vent, gros tempête vini, vent soufflé. Il frappait, ou bien il frappait Kaïsa. Qui Kaï il frappait? Maison qui bâtit sous le roc. Il frappait Kaïla, et bien texte a dit Kaïla pas tombé. Il n'est pas tombé, pour qui ça va tomber? Il dit parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle est fondée ou bien elle bâtit sous le roc. Il y a une maison qui bâtit sous le roc. Li vent pap kakrazel, torrent pap kakrazel, la pluie, tempête, l'orage, pap kakrazel parce qu'elle bâtit sous le roc. Et bien, li clair côté nous sot li, li montre ça. Il dit yon moun ki prudent, li bâtit kay li sous le roc. Le vent vini, la pluie vini, tempête vini, pap kakrazel. Pour moun ki tan des paroles, ça m'a dit là. Et qui pa mette l en pratique, il dit, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sous le sable. Là, nous vérifions dans le texte à la côte de Sotia, nous voyons deux catégories d'hommes. Nous voyons un homme prudent, c'est un homme sage. C'est un homme sage, n'est-ce pas? C'est un homme qui a de la sagesse et c'est un homme qui a de l'intelligence. Donc, un homme prudent. L'autre catégorie d'homme, là, c'est un homme insensé. Un homme insensé nous dit c'est un monde qui pas gain intelligence, qui pas gain sagesse. Un homme insensé nous a dit un monde fou. Un homme prudent nous a dit un monde tête droite.
yon moun tèt droit li bati Cali, n'est-ce pas? Nous sommes là, li bati Cali sous le roc. Sous le roc, parce que sous le roc. Sous le roc, parce que sous le roc, c'est côté qui solide pour bati Cali. Mais li dit un homme insensé, li pas bati Cali sous le roc, mais li bati sous le sable. Ouais? Se rassemblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Moun insensé a li bati Cali sous sable. En regardant ça qui va arriver avec moun qui est censé. La pluie est tombée. La pluie tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Lui tombée, les la pluie venue, les vents venus, les lois venues, les tempêtes venues. Maison qui bâti sous sable là, lui tombée. Lui crasé. Ça fait ça parce que lui était bâti sous sable. Puisqu'il bâtit sous sable, les vents viennent, les tempêtes viennent, les orages viennent, la tomber. Pas bâti sous le roc parce que moun qui bâtit là, c'est un homme insensé. Maison qui bâtit sous le roc, la moun qui bâtit là, c'est un homme prudent, c'est un homme sage. C'est un monde qui est prudent, c'est un monde qui est sagesse, c'est un monde qui est intelligence. C'est ça qui fait le bâtir sous le roc. Ça c'est clair. Ou pas pour un homme sage, un homme prudent, à le bâtir maison sous le sable. Ces mêmes gens, ou pas pour yon moun ki insensé, al bati maison sous le wok. Ou pas pour al bati maison sous le sable. Ou là, parce que so pral faire, li correspond avec moun kalite de moun koye ya. Si son moun ki sage, c'est normal pour bati maison sous le wok. Si son moun ki intelligent, c'est normal pour bati maison sous le wok. Mais si son moun ki insensé koye, c'est normal pour maison bati sous le sable. C'est normal, les vents vini pour vent, tempête vini, vent vini, l'oreille vini. C'est normal pour le jeter, kaiwa, vent, tempête vini, vent vini, l'oreille vini. C'est normal pour le jeter, kaiwa. Ça fait ça parce qu'on débattit sous les sables. Question, selon nous, le Nouveau Testament, quel est le fondement du juste? C'est clair, le fondement du juste, nous sommes là, juste là, libatikali, sous le wok. Fondement juste là, c'est le wok. Ça m'a expliqué là, qui ça le dit? Le wap fait un kaye, une maison, ou besoin fait une bonne fondation. Yo kaye, wap fait une construction, le fait sous une bonne fondation, kaye sa li solide. Même lorsque vent vini, même lorsque tempête vini, il pas kakrasé, parce que kaye la li bâti sous le wok, li fait sous une fondation qui solide. Mais yo kaye qui fait sous une fondation, qui fait avec n'importe matériau, maintenant qu'on y a pas dépend de qualité matériau. Parce que nous connaissons des bons matériaux et des mauvais matériaux. Eh bien, nous connaissons ça, bons matériaux coûtent combien? Ça va différencier yon caille qui bâtit, n'est-ce pas, qui fait sous le roc. Caille qui fait sous le roc là, eh bien, il exige plus cob. Parce que matériaux, ils vendent plus cher. Mais ça qui fait sous sable là, il fait avec n'importe matériaux qui pas gain valeur, matériaux qui bon marché. Ça fait l'eau bâche ton caille. Faut prudent pour qu'on ait kaisa wa ou acheter à qui matériaux construit, qui type de matériaux qui construit kaisa. Parce que moun nan il doit décider d'utiliser n'importe matériaux pour construire kaisa. Faut regarder kaisa à qui type de matériaux le construit. Et mais ce type de matériaux qui fait kaisa li solide. Si fondation fait avec mauvais matériaux, kaisa pas solide. Il fait avec des bons matériaux, kaisa solide. Très bien. Question 1. Selon le Nouveau Testament, quel est le fondement du juste? Le fondement du juste, c'est clair, il explique fondement juste là, il bâtit sous le roc. Très bien, il pas bâti sous le sable, il bâti sous le roc. Verset 27, il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison, elle est tombée et la ruine a été grande. Qui maison? Moun qui bâtit sous le sable, béni soit l'Éternel. Regardons ensemble Éphésiens 2, verset 20. Intéressant, hein? Éphésiens 2, verset 20. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'était la parole de l'apôtre Paul. Il dit, vous avez été édifiés.
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'évangile n'a prêché là, hein? C'est l'évangile, n'est-ce pas, qui est fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Enseignement, c'est Nabé, n'est-ce pas, qui sortit, n'est-ce pas, sous fondement apôtio et prophétio. Il dit Jésus-Christ lui-même, c'est pierre angulaire. L'évangile, lui gagne comme base Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, on n'a pas besoin qu'on ait qui religion. Si l'évangile va prêcher, il va gagner Jésus-Christ comme base, comme pierre angulaire, il anathème. Parce que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le fondement. On va voir comment le monde peut prêcher l'évangile, à parler de le salut, à parler de l'évangile. Et puis, pour écarter Jésus-Christ. Jésus-Christ est la base. Il est le fondement. Jésus-Christ, n'est-ce pas, étant la pierre angulaire. Yes, n'a bâti. C'est sous Christ n'a bâti. Tout l'évangile qui pas de Christ comme base, comme fondement, l'évangile ça. Donc l'espérance du juste disparaît-elle quand elle voit la mort s'approcher? Espérance juste là, est-ce qu'elle disparaît l'elle ou elle en mort approcher? Espérance juste là. Est-ce qu'elle disparaît l'elle ou elle en mort approcher? On regarde ça, Proverbe 14 verset 32. Proverbe 14, verset 32. Question, l'espérance du juste disparaît-elle quand il voit la mort s'approcher? Est-ce que l'espérance du juste disparaît l'elle la mort à approcher? Proverbe 14, verset 32. Nous lisons ainsi, il dit, le méchant est renversé par sa méchanceté, mais les justes trouvent un refuge même en sa mort. Méchant, ça que passe. Il renversé, ça veut dire il tomber. Pas sa méchanceté. Méchant, qui fait mal, là. Eh bien, la Bible dit comme ça, il est renversé par méchanceté. Mais il met à attendre que. L'abtouille le monde, pas vrai? Il met à attendre au monde abtouille le monde. Parce que la Bible dit, soit semer, c'est nous récolter. Si on semer la méchanceté, on récolter la méchanceté. Mais soit on fait ça qui bien, eh bien, on va bien. Il dit dans le verset, il dit, mais les justes trouvent un refuge. Juste là, les jeunes ont refuge même en sa mort. L'espérance du juste disparaît-elle quand il voit la mort s'approcher? Non. Espérance juste là pas disparaître même lorsqu'il voit la mort approcher. Proverbe 10 verset 25. Verset 25. Il dit comme passe le tourbillon ainsi disparaît le méchant. Donc on est tourbillon. Le tourbillon, c'est l'aurait été conseillé pour garder on va lever et puis on va ramasser papier, fatra, les mots avaient en l'air. Ça c'est le tourbillon. Il dit ouais, comme passe le tourbillon, tant que tourbillon a passé. Il dit c'est comme ça méchant a disparu. Moun qui fait mal là. Moun qui l'a guidé pour tout yo là, son pas gagné avec, il l'a guidé pour tout yo, pas besoin paix. Ou garde pas pour elle tant qu'on tourbillon. Tourbillon n'est passé, va pas arrêter. Comme passe les tourbillons, ainsi disparaît le méchant. Mais les justes a des fondements éternels. Béni soit l'Éternel. Les justes a des fondements éternels. Juste là, il y a des fondements éternels. Il y a des fondements permanents parce que c'est les justes. Donc, l'espérance du juste disparaît-elle quand il voit la mort s'approcher? Non. L'espérance du juste va disparaître lorsque la mort approcher. Mais ici, côté de notre lien, il dit comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Vous avez un père méchant qui a pouvait zèle les côtés là. Qui l'a guidé au poutouillon, qui empêche chaud, qui l'a guidé au poutouillon, qui empêche chaud dormir. Faut pas qu'à vivre. Méchant, la guerre là-dedans, ou pas gagner un méchant. Sans raison, il a guidé au poutouillon. Ou pas besoin peur, ou pas besoin crainte. L'Éternel, notre Dieu, est avec vous. L'Éternel, notre Dieu, est avec vous. Pas besoin de peur méchant. On va regarder le papouel tant qu'on tourbillon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Frisnel Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'avez pas encore abonné. Merci.
pour votre encouragement. Vous qui m'avez aidé à partager l'évangile. Vous qui m'avez aidé à faire ce travail. Restez avec nous. À la prochaine pour une prochaine.